pas un travail de cinéaste, c'est plus un travail de journaliste. C'est plus de journaliste, ouais, tout à fait. Cette partie-là, c'est venir et observer, filmer, ouais, parce que c'est le témoin, pour pouvoir le retranscrire un peu. Un peu méditant, parce qu'en même temps, il dénonce beaucoup la corruption des édiles locaux. Voilà, après, c'est le lien entre ces films et ce doc. Et voilà, c'est ça, ouais. Tout est méditant. Tout à fait, ouais. Et la faillite qui a été la gestion Bush de l'ouragan, quoi. Alors, au départ du livre, tu parles beaucoup de Malcolm X. C'est impressionnant de se dire qu'il y avait un souci avec... c'est qui produisait, pardon, la Warner. La Warner. Et à un moment donné, il voulait faire un film beaucoup plus long que ce que les dirigeants de la Warner voulaient faire. Et là, il ne s'est pas du tout dégonflé. Il a été chercher de l'argent chez des gens extrêmement connus qui ont du pouvoir, mais pas n'importe quelle personne. Ouais. Bah, aujourd'hui, on appellerait ça le crowdfunding, peut-être. Ouais. Enfin, c'est ce que tu dis. Mais genre, déjà en 92... C'est ciblé aussi, les gens. C'est complètement ciblé, ouais. En gros, en fait, il a fait appel quand même à des stars de la musique, des stars de l'entertainment afro-américain, des mecs voilà, comme Prince, Janet Jackson, Oprah Winfrey, genre des joueurs Magic Johnson, Michael Jordan, donc des mecs multimillionnaires déjà à l'époque, donc des gens qui ont des énormes fortunes et qui n'ont pas hésité un instant à mettre la main au porte-monnaie, qui ont signé des gros chèques. Bill Cosby. Et les mecs ont signé des chèques énormes qui lui ont permis finalement de boucler le film. Il faut rappeler que le film, en fait, il était à deux points de... Enfin, la bonne compagnie Warner, une compagnie d'assurance, était à deux points pour prendre le contrôle du film, de le charcuter. Il aurait été viré du Final Cut et ça aurait pas été Malcolm X qu'on aurait pu voir aujourd'hui, quoi. Donc, énorme affront à la Warner. D'ailleurs, qu'il ne l'a pas digéré, il s'est fait virer deux semaines après avoir reçu son chèque. ce qui est drôle. Mais c'était militant. Complètement, ouais. C'est le côté je suis libre, je veux faire mon film, ouais, comme ça jusqu'au bout. Voilà. Mais ça, du coup, c'est pour ça que tu l'aimes. Aussi, ouais. Après, le mec est controversé parce que moi, j'étais moins. Autant je trouve qu'il y a énorme. C'est un énorme morceau de bravoure ce qu'il a fait avec la Warner. Autant, en tant qu'Européen, je suis moins dans le truc. Enfin, la controverse qu'il a eue, par exemple, avec le type qui a fait. Non, je me souviens plus, le réalisateur qui devait être pressenti pour Malcolm X. Le mec qui a fait Rollerball. Norman Jewson. Mm. Norman Jewson, c'est un blanc, c'est un type qui est juif, qui est blanc, qui a fait un superbe film avec Denzel Washington qui s'appelle Hurricane Carter. Ouais. C'est un film magnifique. C'est génial. Je pense qu'il aurait pu porter Malcolm X aussi. Oui. Mais en même temps, on se dit que symboliquement, Spike Lee, c'est un projet qui nourrissait depuis qu'il avait 20 ans, depuis qu'il avait lu l'autobiographie d'Alex Haley. On a pu se dire à un moment, il n'a pas voulu faire ça parce que Norman Jewson était blanc. Mais en fait, non. Quelque part, c'était symbolique et il fallait qu'il le fasse lui. Alors, tout ce que tu nous parles, c'est passionnant, c'est extrêmement documenté. Par contre, le format, pour moi, c'est le format idéal, c'est-à-dire. On va pas au-delà des 200 pages. J'invite quand même les internautes à prendre plus de temps que moi, parce que moi je suis obligé de lire dans l'urgence. Pourquoi je les incite à lire plus calmement? Parce qu'il y a plein de références. Et justement, en termes de documentation, il y a des tas de choses que tu connaissais, mais il y a des tas de choses que tu as découvertes aussi. Mmh. En fait, sur la documentation, je me suis aussi appuyé sur une quinzaine d'années de journalisme urbain, hip-hop, dans les cultures urbaines, la musique urbaine, aux États-Unis. Donc pendant de longues années, en fait, j'ai nourri ce projet de bouquin il y a très longtemps. Et donc à chaque fois que je rencontrais un rappeur américain, un producteur, un musicien, je lui parlais de Spike Lee. Et donc j'ai gardé des notes. Ensuite, j'ai fait un gros travail de recherche dans des archives, des journaux, des interviews qui n'ont jamais été traduites en français. Donc là, globalement, 90% des interviews de ce bouquin-là sont des interviews inédites que je traduis en français, mais qui n'ont pas été divulguées dans la presse. Tu viens de dire un truc super important, c'est l'influence que le cinéma de ce mec-là a eu, mais sur toute la culture en général, et que ce soit même chez nous, quoi. Je vais te donner un exemple complètement fou. Il y a un bouquin sur lequel je travaille en même temps que le tien, qui n'a rien à voir, qui s'appelle La drôle de vie de Zelda Zonk, qui parle de Marilyn Monroe. Et à la fin, l'auteur nous explique qu'elle adore le cinéma américain, et dans les références qu'elle donne, il y a un film de Spike Lee. C'est quand même hallucinant, parce qu'on n'a rien à voir dans l'univers de Spike Lee, ni dans le tien. C'est quelqu'un qui nous propose une histoire d'amour, une enquête sur Marilyn Monroe, c'est vachement bien fait. C'est du feel good, et pourtant la référence est Spike Lee, qui est parmi tant d'autres. Hein, y en avait d'autres. Ouais, c'est complètement dingue. Hein, Spike Lee, il a vraiment influencé... Enfin, je crois que Do The Writing, c'est vraiment... Tout le monde a dit, il faut quand même savoir que quand ils ont tourné Clockers, à un moment, genre Scorsese, il a quand même dit au producteur, moi je peux pas... depuis Double Writing, j'oserais pas trimballer ma caméra à Brooklyn parce que le mec sait mieux le faire que moi. Il va imposer une esthétique. Moi, je l'ai fait à l'Italie parce que je sais filmé des Italiens, mais le mec sait filmer les mecs du ghetto comme personne. Et en fait, en même temps, il a une espèce de mythologie qu'il a ramenée autour de, à la fois de la rue,
Ne serait-ce que les baskets. Enfin, aujourd'hui, à Paris, si les gamins portent des baskets Jordan, c'est quand même parce qu'il a fait la pub avec Jordan, qui a fait cette scène incroyable en double rating avec la Jordan et la brosse à dents. Mais c'est quand même ce mec-là quand même, qui a inventé ce truc de lifestyle autour de la chaussure. Enfin, c'est aussi incroyable, c'est qu'il a aussi influencé tout un pan de la culture urbaine, mondiale, la mode. Enfin, c'est quand même un précurseur, quoi. Avec ce bouquin, tu l'adresses à qui ? Tout le monde. J'ai essayé de pas être trop... Tu voulais pas nous perdre avec trop de références. Trop de références, il y en a pas mal, ouais. Mais c'est pas un bouquin pour les initiés, c'est pas un bouquin, enfin, ouais. Je pense que néophytes et initiés peuvent se retrouver. Je voulais pas faire un bouquin de spécialiste, donc j'essaie à chaque fois d'expliciter, même si... Après, peut-être un peu trop de termes en anglais, mais en même temps, des fois, je les traduis, ou alors il y avait pas de sujet. Ouais, c'est le sujet aussi, ouais. Mais honnêtement, je pense que c'est un bouquin qui est assez mainstream. Moi, j'ai trouvé que ce bouquin était génial parce que ça donne envie. Ça donne envie de se dire que peu importe où on est né, peu importe qui on est, il y a toujours possibilité de faire des trucs de sa vie et pas d'aller dans le mauvais sens. Complètement, ouais. Je trouve hyper positif ce livre, même si on sait que il y a quand même pas des quartiers, hein, garçon. Non, voilà. Mais ceci dit, il a réussi à faire quelque chose de bien avec ça, et je pense que même si on vient des quartiers, ça peut être un vrai bel exemple. Pour la petite info, son père a acheté son brownstone, c'est les belles maisons là, Brooklyn, en 68, donc voilà. Il doit avoir au moins quadrupler, voire cinquupler la plus-value, parce que maintenant c'est des maisons qui coûtent. Mais effectivement, Spike Lee, c'est un mec, il a toujours revendiqué, hein. C'est un mec qui vient de la classe bourgeoise noire, mais qui s'est jamais pris pour un gangster non plus, s'est jamais pris pour un mec de la rue, mais qui a toujours aimé sa ville. Qui a toujours aimé aussi, c'est les gens de l'histoire. Ce qui est fort, c'est de ne pas être ce milieu-là et d'en parler aussi bien. Aussi bien, ouais. Alors là, ça, c'est juste épatant, parce que des gens qui sont dedans, par moment, tomberaient dans les clichés beaucoup plus. Oui, bon, ah, tout à fait. Donc il a peut-être la distance qu'il faut pour ça. Karim Adani, c'est fini. Un grand merci pour toi, pour cette Merci à la Fringale Littéraire. Et oui. Alors, le livre sur Spike Lee, il y a un sous-titre, American Urban Story, aux éditions Don Quichotte. Et nous, franchement, on a beaucoup, beaucoup aimé. C'était vraiment bien. Un grand merci. Merci à vous.